Ce mercredi 28 juin, France 2 propose de revoir le polar La fille dans les bois, dès 21h10, adapté du roman éponyme de l'écrivaine américaine Patricia MacDonald. Où a été tournée la fiction? Ce mercredi 28 juin, France 2 rediffuse La fille dans les bois, unitaire réalisé par Marie-Hélène Copti, et adapté du roman éponyme The Girl in the Woods de Patricia MacDonald. Au casting, la jeune Carolina Jurczak qui fait face au plus capé, et ex de Mathilde Seigné, Antoine Duléry. Un unitaire précédemment proposé en février 2021 et qui avait séduit 4,6 millions de téléspectateurs, soit 19,4% du public présent devant son écran de télévision. De quoi permettre à la chaîne publique de se classer en tête des audiences ce soir-là. La fille dans les bois, de quoi ça parle? L'histoire du téléfilm se rapproche de celle du livre de l'autrice à succès. On y suit Jeanne, interprétée par Carolina Jurczak, une jeune femme de 27 ans qui travaille à Hong Kong. Elle est un jour appelée au chevet de sa sœur Céline, gravement malade. Juste avant de mourir, cette dernière lui révèle alors un terrible secret. Depuis 15 ans, Youssef, Ayman Deryachi, est emprisonné, à tort, pour le meurtre de Julie, l'amie d'enfance de Jeanne. Jusqu'alors, Céline n'avait pas osé dire la vérité sur la relation qu'elle entretenait avec le jeune homme. Celle-ci donne alors pour mission à Jeanne de tout faire pour que Youssef sorte de prison. Une histoire qui semblait classée va devoir être rouverte. Qui a véritablement tué Julie? La fille dans les bois, où ça a été tourné? Interviewée par nos confrères du Parisien, l'écrivaine américaine se confie sur l'adaptation française de son roman. Elle, Mathilde Muffan, la productrice, note de la rédaction, a un vrai talent pour retrouver l'ambiance et l'atmosphère de mes polars. Relève l'autrice. Elle a posé son décor en Ardèche, une région belle et sauvage, et cela colle parfaitement avec mon histoire qui est très sombre. J'aborde des thèmes difficiles comme le racisme. Dans mon roman, si est un noir qui se retrouve emprisonné par erreur et, dans l'adaptation française, il est maghrébin. J'ai mis aussi beaucoup les acteurs, que je trouve excellents. Notamment Carolina Jurczak, qui interprète Jeanne, l'héroïne. Et de concéder un seul regret, j'aurais tellement aimé venir sur le tournage. Love just had a heart.